Yop tout le monde, c'est Kyrios, et bienvenue pour ce troisième épisode d'Dawn of Man. Cette fois-ci, on va essayer d'améliorer un peu les conditions de vie du village. Il nous manque toujours de la nourriture, en fait. C'est de la nourriture, à chaque fois, on a les petits messages de nourriture, donc on va essayer d'améliorer ça. Et, atelier de tannage... Il nous faut du cuir. Du cuir, ouais. Nous, on a de la peau séchée, mais on n'a pas de cuir. Ouais, c'est pour ça. Là, on avait une tente, un autre foyer. Ok. Alors, là, on va attendre. Là, on a quoi? Hop, ramasser ça encore. Ah, et puis aussi, ok, hop, tannage, pour pouvoir avoir ça, fabrication de traîneaux. Ça va être pas mal ça, les fabrications, le traîneau pour pouvoir transporter le matériel, des ressources. Surtout les ressources qui sont lointains. Donc on a ça. Meule à foin, pain, ok. Polissage des as. Ah, c'est le couteau à os. Ok. Là qu'on a spiritualité, totem mégalithe. Ok. Plus un point de connaissance, d'accord. Un animal qui a été chassé. Hop. Là il met du bois. Là on a une bûche. Là, on a du poisson. On a la viande qui va être là. Donc, on a pas mal de choses. Ok. Et normalement, je vais avoir des cailloux quelque part. Là, c'est du grès. Et là, c'est des cailloux. Ouais, des cailloux, des pierres. C'est quoi ça? Ah, bah, c'est. On va leur dire de chasser ça encore et celui-là aussi. Comme ça, ça me fera un peu plus de nourriture. On a 19, donc capacité de 24. D'accord. Donc on va attendre qu'on ait du monde. Là ils attaquent, c'est bon, ils voient la chasse. On va avoir un peu plus de viande, un peu plus de peau. Peau brute, peau séchée. Je me demande s'il me faut pas un autre atelier de tannage ou... Non, je pense du cuir, on en a pas mal. Peau séchée, du cuir on en a une. Ouais, non, c'est bon. C'est où? Ah, c'est là. Donc là, on est bon. Là, il récupère de la pierre qu'il va mettre ici. Ah, on a perdu un chien. C'est pas grave.
Équilibré, ok. Alors, Yann des cavernes. De toute façon, j'ai... Il est là, donc ils vont l'attaquer, hein. Pour le moment, c'est bon. Voilà. Plus ils vont récupérer. Donc c'est bien. Hop. Alors, qu'est-ce que je peux construire d'autre? Production. En fait, je voulais faire un autre atelier de tannerie, mais un seul, ça me suffit pour le moment. Je pense que j'ai pas mal de stockage. Non. Séchoir. On va remettre peut-être les autres. Un là, deux. Voilà. Parce que j'ai pas mal de peau là, du coup. Je pense que séchoir à viande aussi, je vais en remettre un. Alors, non, c'est pas ça. Ah bah. Ce sera plus simple de collecter le tanin ici. Du coup, on avait dit, hop, production, séchoir à viande. On va en remettre un là. Donc là, on est pas mal. On a pas mal de nourriture qui va arriver. En plus avec la pêche et tout ça, la viande. Là, on est comment? On va attendre un petit peu. Tiens, toi, tu vas me dire de pêcher ici. Toi, c'est bon. Hop, toi, de pêcher là. Là, on est à 6. Alors, on avait dit c'est tout de suite qu'il faudrait que je passe. Ok, encore un point. Hop, 4 autres de plus. Ça va abattre des arbres pour le moment, non, ça ne me sert à rien que je dise où il faut abattre. Je peux faire mieux les choisir et puis dire à celui-là, bon bah tu m'abats celui-là ou pas, ce sera beaucoup plus simple. Ma zone de stockage est comment? Elle va peut-être en falloir que j'en construise une autre. Hein. Pas de vêtements, eux. Ah, ils ont pas de vêtements? Bizarre. Tenue en cuir. Tenue en peau. Même s'il y a de la peau, ça devrait le faire. Hop. Quête de cuir, hop là. Ah, population atteinte 20. Ah, palier, expansion. Puisqu'on a atteint 20 de population. Bon, c'est bien ça. Ok, ok, ok. On a 21 sur 24. D'accord. Des tenues en cuivre, donc c'est pour ça qu'il me faut pas mal de peau brute. Après, on va reprendre ça, hein.
Je sais pas, je trouve qu'il y en a qui ont pas beaucoup de différents types. Je sais pas. Ils ont pas de bizarre. Normalement, ils devraient avoir presque tous être habillés, hein. Ouais, si, ils sont à moitié habillés pour certains, mais sans plus, quoi. C'est un peu bizarre. Là, hop, ok, il fabrique toujours, il fabrique. Mais ouais, je vais reconstruire une autre tente là. Zone de stockage. Une autre tente de stockage qu'on va mettre bah, ici. Hop, faites ça en priorité. Là, ils ont tout récupéré. Il est où? C'est là, je vois. Ok. Bah, je vais en remettre un là aussi là. C'est où? Ah, rien qui est mort de vieillesse. Voilà. Bah ça arrive, hein. Normalement, ça devrait partir là, soulager un peu. Enterrement. Ok. Ouais, normalement, c'est où? C'est là, j'avais mis loin du village, exprès. Ah, on a un marchand. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent, le marchand? Attends, avant, qu'est-ce qu'on a? On a de la viande, du poisson, ouais. Donc, on est bon. Jean, qu'est-ce qu'il propose d'autre? Ben, il propose pas grand-chose, hein. Nous on a ce qu'il faut donc c'est bon. Qu'est-ce qu'il faut? Oh ben, j'ai quoi pour sécher? Hop, on va faire trois autres. Ouais, tenue en pot, c'est mieux. Ah oui, du coup, point de connaissance. Alors, je sais pas du tout ce qu'il faut que je fasse pour passer au mésolithique. Point de recherche. Ok. Ok. Donc c'est pas vraiment technologie. Ouais, c'est ça, mais au mésolithique, on passe comment au mésolithique là? T'es pas marqué? Pour débloquer une nouvelle période, vous devez débloquer sa technologie de période. Cette dernière nécessite deux fois plus de points de connaissance pour la débloquer.
Ah, tu veux dire qu'il faut que je débloque que... Ah non, mais de toute façon, déjà débloqué, déjà débloqué. Période en cours dans laquelle les humains ont commencé à fabriquer de la poterie et les outils en pierre plus sophistiqués. De toute façon, je peux rien faire, moi. Stockage, non. Production, j'ai atelier de tannage, séchoir à viande. Ça et ça et ça, je peux pas encore. Et je peux pas non plus. Têtre funéraire, j'en ai un. C'est bon. Non, je peux rien faire d'autre. Hein. De la nourriture, c'est bon. Capacité de 24, on en a 20. On va en construire deux autres. 4 et 2. Oui, non, c'est bon. Voilà. Alors là, j'aurai peut-être plus de monde qui va arriver. Niveau nourriture, je suis bon, donc... pioche, voilà, petite pêche. On est bon, hache, j'en ai deux. Couteau, c'est biface, j'en ai pas mal. Dans sa silex, dans sa bois. Tu sais que j'en ai bien à voir. Couteau en os. Ah, ça y est. D'accord, en fait, c'est ça qu'il fallait débloquer la période. Ok, j'ai compris. Poterie. Donc, on passe en mésolithique. Toute façon, je peux rien construire. Hein. Ouais, voilà, c'est les transports. Donc la première chose, c'est ça. Transport. Pour aider, ça va faciliter grandement les transports de ressources, ceux qui sont loin en fait. Ouais, nouvel humain est né. Ma zone de collecte, j'avais une zone de chasse ici, j'en ai une autre ici et je me demande si je vais pas en mettre une là parce que de temps en temps il y a des animaux donc une zone de chasse ici. Alors, construire. Résilience, j'ai rien. Stockage, j'ai rien. Production, j'ai rien. Ok, donc là, j'ai rien du tout. Placer une zone de travail.
Ah, c'est extraire de l'eau. Bon, on va mettre là, hein. Hop, on va accélérer un peu la vitesse du jeu. Normalement, avec l'hiver qui est là, logiquement, il devrait avoir pas mal de peau. Hein. Tenue en peau, j'en ai 22. Tenue en cuir, donc ouais. Le mieux c'est faire ça. De la peau. Ça tient mieux. Surtout pour l'hiver. Alors, c'en est où là? C'est 7 points de connaissance à chaque fois. Mais bon, le premier c'est les traîneaux. Oh, ils sont où là? Ah, on va là. Tac ici et ici. Voilà, l'ours des cavernes. Mon chien va pas faire grand chose. Bon bah voilà, c'était sûr. Hop, et puis hop, ici. Ok, ressources obtenues, cuir x10, donc ok, donc on est bon, on est bon. C'est quoi là? Le marchand. Tenue en peau. Alors attends, on a quoi?
En viande, tout ça, ça va arriver. Poids brut, poids séché, donc du cuir. Enfin, tenue en cuir, mais bon, c'est... J'en ai, mais ça tient pas vraiment... Voilà, quoi. Ouais, ils ont tous... tous une tenue de peau. C'est mieux. Ouais, du coup, une tenue en cuir, ça ne fait pas grand-chose. Peut-être que je pourrais en vendre. Du coup, qu'est-ce qu'ils proposent ? La fabrication de traîneaux, oh, valeur 150 quand même. Biface, non. Tenue en peau non plus. Un peu de cuir. Ouais, voilà. Et du coup, ça fait 40. Non. Voilà. Un peu séché, un peu de cuir, voilà. Bon, on va dire ça comme ça. Allez, encore un point de connaissance. Et j'aurai les chariots là. Ah bah voilà. Hop. Déjà ça. Alors, fabrication de traîneau. Ah, c'est ça, transport, d'accord. Combien ça me coûte déjà? 3 et 2 de... C'est quoi? Peau séchée, c'est ça? Ou du cuir? Non, peau séchée. Bah, je peux en mettre encore. Hop, hop, ouais. Trois, ça sera déjà pas mal. Je pense qu'il y en aura peut-être un ou deux qui vont être servis, puis il y en aura un troisième qui sera là en supplément. Je commence à avoir un peu plus de monde. Allez, hop, un de fait. Ouais, attaque de loup encore. Oh, ça va pas. Oups, quoi. Il a pas tenu longtemps celui-là. Allez, hop, on voit déjà un qui prend. Il va juste là. En fait, au lieu de faire plusieurs fois aller-retour. Il prend, il met tout dans un sur le chariot, et voilà, et il le récupère. Donc j'en ai 3, pour le moment c'est bien. Je pense que pas besoin d'en faire plus. Mais du coup le chariot il le laisse devant la porte ou il le ramène? Non, je crois qu'il le laisse devant la porte, donc il est laissé là, et puis il s'en a un autre qui va le reprendre pour aller autre part. Bon bah ok. Ok, là, on en est où? Ah, de la viande. Hop, ici.
Bah tiens, j'ai sanglier qui est là. On va le déplacer. Voilà, comme ça on sait qu'ils sont là. Forte chance que les sangliers qui vont prendre là. Sanglier x5. Point de connaissance. Bon bah voilà. Ah, on va être tranquille. Peut-être du poisson. Va pêcher là. Va pêcher là. Va pêcher là. Si on a de la viande, c'est bien, mais un peu de poisson, ça fait pas mal aussi. Pour équilibrer un peu. Zone de stockage, bah on est bon. Là, c'était quoi pour... là, c'était pour ça. Donc, on va demander peut-être à couper 2-3 arbres. Poirier, non. Lettre. Ici. Là, le boulot. Là aussi. Ah bah, du coup, mes trois charrettes ont été pris. Je me demande si je devrais pas en construire 2 autres par hasard. Traîneau, c'est 3 et 2. Ouais, bah, j'ai assez en fait. Ah, il y a déjà un. On va déjà faire un, j'en aurai 4. Ce sera déjà pas mal. Et là on a quoi, un autre être? Ouais, hop, on va le détruire aussi. Là on a encore assez, on va attendre un petit peu. Les zones de stockage, ils sont comment là? Celui-là, il est presque plein. Lui, ça va encore. Là, on est bon. On a la tannerie, mais en fait, c'est pour du cuir et à part le vendre. Donc, on va en faire 3 autres, comme ça. Ça se vend bien. Donc, c'est bien. Bah, le marchand est arrivé. Qu'est-ce qu'il y a? Ah bah, spiritualité. Valeur 150. Légumes secs. Du poisson séché. Bah tiens, il nous en fallait un petit peu. On va en prendre 6. Du cuir, non, c'est bon. Donc 6 trucs. Valeur 10. Valeur 2. 1. 1. Ok. Ouais bah, on va mettre 2. Ah, c'est élevé donc. Voilà, il y a un truc qui fait 1, non? La pierre. Putain, là. Ah, tiens, pierre, ça en est bon. Ok, ça en a un peu plus de poisson. Surtout qu'on a plus beaucoup de viande là. C'est le lion des cavernes. Alors on va attendre un petit peu. Et c'est tout, ma zone de chasse était là. On va la remettre ici. Voilà. Lui il a quoi? Pourquoi il a pas de vêtements? Pourtant, tenue en peau, ça devrait aller, hein. Ah, j'ai même tenu en cuir alors. Je pense qu'on va faire céréales.
céréales pour avoir une autre ressource de nourriture. Parce qu'à part la pêche qu'on peut avoir pas mal et la viande de temps en temps quand il faut partir chasser, le mieux ce serait aussi d'avoir céréales. Bon, il faudrait qu'on fasse une zone. Je sais pas où. Là on est comme ça. Faudrait commencer un peu à détruire. Soit je fais le village ici. Je fais la zone là, on va dire. Donc c'est-à-dire d'ici jusqu'à là. Ça va être des maisons ou des infrastructures, des trucs comme ça. Et un peu plus loin, céréales, parce que là encore je peux. Même commencer à détruire les endroits. Donc là on pourrait dire que là on a quoi? Du silex, de la pierre. Il faudrait que je me fasse une zone vraiment je sais pas. Parce qu'ici je fais le village. Hop. La rivière. Puis là les fermes. Puis à la place. Juste à. On a quoi? On a juste du hêtre. Ouais, ouais. Cerisier. Je sais pas. Ah, je verrai, on verra, on verra. Du coup, ah, oui, c'est vrai, bah du coup, pas assez de nourriture. Alors, là, on a quoi là, non? Hop, on va pêcher là. On va pêcher là, et on va pêcher là. Et, allez, chasser ça. Je n'ai pas plus près. Non. Non, je n'ai pas plus près. Bon, c'est pas grave. Oula. Ils partent tous à la chasse là. Il y en a qui partent à la chasse et à la pêche. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Du coup, t'en as d'autres qui restent là. Ouais, bah du coup, on va partir, ouais, du coup, avec une autre source de nourriture, hein, traitement des céréales. Donc, quand j'en aurai 3 points de connaissance. Ah bah du coup, ça y est. On a nos 7 points de connaissance. Ouais, céréales. Ok. Bah du coup, en fait, on va s'arrêter à là, hein, pour cet épisode. On a réussi à avoir... les céréales, du coup, ça nous permettra de d'avoir une autre source alimentaire et éviter qu'on ait une pénurie de nourriture. Parce que là, on est comme ça, ouais. On va attendre un petit peu que ça se fasse. Voilà, après on est loin. Donc oui, je pense que je vais faire là. Fermer ici. Laisser ouvert, mettre un... C'est quoi? Transport. Un pont. Ça enferme là. On met un pont dans la ville. Puis là, ce sera les fermes. Voilà, je pense qu'on va faire un truc comme ça. Du coup, on va peut-être commencer un peu à dégager à des endroits. Cerisier, bouleau, bouleau, chêne. Ou le mettre ici, je sais pas.
Ou alors on en met un peu ici, du coup en fait on. Ou alors je ferme à partir de là. Ici à peu près, là où il y a la pancarte. Et puis là on mettra des fermes là. Peut-être ici, un peu partout. Bon, on verra, de toute façon, on verra au fur et à mesure. Du coup, moi je vous dis ciao ciao à tous et à la prochaine.